prochaine tâche, effectuer un stationnement parallèle derrière un véhicule noir. Nous avons donc trouvé le véhicule noir, qui est un Nissan Murano, et il faut aussi qu'il y ait une autre voiture derrière. Alors, ici, nous avons une petite Ford. Richard va procéder au stationnement parallèle. Donc ici, on va avoir un petit trouble dans la vision parce que on se rappelle qu'on est à Montréal et qu'il y a des chauffeurs autour. Mais Richard continue. C'est bon, Richard. Bon, il va y avoir une voiture qui va passer. Et plusieurs voitures. Voilà tous ces gens-là qui ont été très patients d'attendre que nous fassions notre stationnement parallèle. Alors, maintenant, on va aller vérifier. Alors, on a quand même une bonne espace derrière la Murano. Et on est tout près de la chaîne de trottoir. On recommence. Comment t'as aimé ta expérience? Quelque chose. On va régler. D'accord, parce qu'on est très écolo. Et on vérifie. Nous avons la voiture derrière. Très bon écart. Alors, je pense qu'on a presque complété nos 2 minutes, Richard. Regarde, il y a un chien qui le regarde. Et voici un petit chien.